Hey, salut tout le monde, c'est Dofman. Il fait beau, il fait chaud et on se retrouve sur Dying Light. Donc ça fait très longtemps, très longtemps. Mais du coup là je profite de l'été qui fait bien chaud dans toutes les pièces pour crever de chaud et record. Donc la dernière fois apparemment c'était laissé là, j'ai pas retouché à Dying Light depuis, donc ça fait très longtemps. Donc on est reparti, sans plus attendre, dans la suite de l'aventure. Du coup on va sortir parce qu'apparemment il faut sortir. Et je suis littéralement en train de mourir de chaud, de cette température. Je ne sais pas si vous aussi, chez vous, vous êtes en train de mourir de chaud. En tout cas, il fait au moins 35 dans cette pièce. Voilà. Je n'ai pas de ventilateur, je n'ai pas de climatisation. Hop. Voilà. Pour raconter un petit peu tout ce qui n'est pas intéressant. Oh. Ok, donc. Il y avait eu certains commentaires disant que j'étais un petit peu mauvais en combat. Meurs, meurs. Tout à fait d'accord avec vous, je suis un petit peu mauvais. Et je vais me défendre en disant qu'en fait j'ai déjà fini le jeu en coop. Et du coup effectivement j'avais l'habitude d'être un petit peu plus puissant. Donc effectivement de tuer tous les zombies en deux coups. Ce qui fait qu'effectivement, étant donné que j'ai des armes beaucoup moins puissantes maintenant. J'ai cru qu'il allait pas le faire. Ah non. Ah c'est bon. Je voulais voir si je pouvais choper la deuxième en plein vol. Hop, ok. On va. Il y a des mecs à rice ici. Wow! On peut pas faire les fous. Par contre. Attends. Merci. Je veux bien savoir la carte. Ah, je vais juste là. Ok, très bien. On va juste. Bah, c'est juste là, d'accord. Évidemment, je vais pas pouvoir y aller par là. Hop! Je pense que. Ouais, voilà, faut aller voir Troy. J'avais pas écouté ce que je parlais. Je racontais ma vie, tout ça. Les problèmes de lag devraient être réglés, vu que depuis le précédent épisode j'ai réinstallé tout mon PC, j'ai rajouté un SSD, tout bordel. Donc les problèmes que j'avais devraient être plus que réglés, et je l'espère. Hop. Et Troy est par ici. Hop, faut encore monter. C'est un peu chiant d'avoir fait tout le tour juste pour ça par contre. Allez, grimpe. Ouais, allez. Hop, merci. J'ai beau le regarder en boucle, j'arrive pas à y croire. Un document interne du groupe de ravitaillement et d'entraide impliquant cet organisme dans un complot criminel de grande ampleur a été rendu public aujourd'hui. Selon ce document, plutôt que de chercher un vaccin au virus d'Aran, le GRE comptait le militariser et le vendre au plus offrant. Une levée de bouclier mondial à... Non, non, va droit au but. J'étais le dernier survivant de la zone de quarantaine. Je n'y crois toujours pas. Je suis encore en vie, j'arrive pas à y croire. Nous pleurons tous nos morts, mais pour reprendre les mots du président dans son discours d'aujourd'hui, la vie doit reprendre ses droits. Des soldats ont fouillé la zone de quarantaine à la recherche de survivants, mais ils n'ont trouvé que des infectés. D'après le colonel Tanner, une fois le processus de décontamination mené à bien, l'infection sera complètement résorbée. C'est un coup du ministère. Et justifie devant le monde entier la destruction de la ville. Crane, écoute-moi avant de foncer dehors. On a déjà un plan pour envoyer un message à l'extérieur. On place des charges dans un immeuble selon un plan précis, et on les fait sauter. Ce que les zombies ne pourraient pas faire. On a un traceur, Michael, sur l'immeuble. Mais il n'arrive pas à atteindre les derniers étages. Il y a trop de mordeurs. Ça me fait mal de le reconnaître, mais aucun de nous n'est assez fort pour l'aider. Putain, il faut qu'on fasse quelque chose maintenant, ou ces cons vont nous pulvériser. Toi, moi, Jade, tout le monde. Dis à Michael que je viens lui filer un coup de main. Pendant ce temps, tu essaies d'appeler Jade. Dis-lui qu'il faut que je la voie. Je te le promets. Mmh. Ok, très bien. Alors, je me souviens de cette mission et ça va pas être joli, joli. C'est par là-bas. Wouah ! Aïe. Bon, hop. Ok. Bon, on va essayer de faire ça. Donc il va falloir placer les charges explosives dans le...
Dans une des grandes tours, peut-être celle-là là-bas. J'ai vu une fusée près d'ici. Je parie que quelqu'un est tombé sur des bandits. Ah. Quelqu'un va bientôt mourir. Bah tant pis, je peux pas être partout, désolé. Ok. Nom de Dieu. Non. Ah. Wow. J'ai eu un doute. Hey, toi. Ah. Bon, je cherche ça. Merci. Ok, c'était ça que je cherchais. J'ai pas un pistolet, je préfère le pistolet. Ah, ça, ça. Hop, petit headshot. Ok, on va pas s'éterniser là, parce que je crois qu'il y en a pas. Enfin, il devrait y avoir pas mal de gars. Hop. Ok, on va reprendre ça. Et non, je veux une arme qui ne tire pas des balles. Voilà, ça c'est très bien. Merde. Allez. Je peux pas. Merci. Hop, ça c'était pour le fun. Et non, par contre, c'est par là. Ouh, allez! Faire gaffe où je mets les pieds. Non, je sais pas. En fait, je vais dans. Quoi? Qu'est-ce que t'as? T'es où? Bonjour? As-tu des choses intéressantes? Déjà, qu'est-ce que je peux te vendre? J'ai pas beaucoup de kits. Est-ce que je peux faire des kits? Nope. Ok, très bien. Bon, il va falloir faire gaffe. Du coup, j'allais dans la mauvaise direction en fait. Donc, on va retourner par là-bas. Parce que j'ai vu les marqueurs rouges, ça a attiré mon attention. Hop, salut! Sauf qu'il n'y a rien ici. Non. Non, 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 tu m'as pas vu. Non. Non, 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 c'est pas vrai. Hop, allez, salut. Ça va être une carte postale. Ok, Bon, du coup. Nien, tu grimpes là-dessus, merci. Tu grimpes. Wow, je vais te calmer. Ça c'est un bâtiment des galeries, ça non? Oh, ça me surprendrait pas. Bon. Et c'est le bâtiment d'en face. Ok, très bien. Je vais essayer de faire tout le tour parce que j'ai pas envie de descendre au milieu de la place. Salut! Au revoir. Hop! Ah, mince. Non! Faites chier avec ces sauts là, putain! Voilà. Un mec qui prend une douche ici comme ça. Hein, lui il avait faim. Voilà, ça c'était. Parce que j'avais envie. Ok, alors il y a le bâtiment de rail ici. Et j'arrive pas à voir. Je viens de faire tout le tour et tout. Ouais d'accord, en fait je voulais pas aller au milieu de la place mais c'est au milieu de la place. J'ai des pétards, c'est parfait. Non, tu peux pas t'accrocher à quelque chose s'il te plaît? Non. J'essaie de m'accrocher à quelque chose mais il y avait rien. Wow, vraiment? Ok, solution numéro 1. On court. On essaie d'y aller. Wow, c'est où? Aïe. Ok, très bien. Ça fait boum de partout. Ah, c'est là! Enfin, je crois. Ok, ça a l'air d'être là, donc... On va suivre. De l'air, c'est possible? C'est possible. Ok, c'est là. Hop. Vers les égouts. Allons faire un petit tour dans les égouts. Je dois trouver ce Michael. Quel que soit le plan des ombres, s'il y a une chance que ça marche, je dois les aider. Mmh. Ouais, il faut les aider, ça peut être bien. Parce qu'on est un petit peu dans la même galère qu'eux, donc... Ah bah ouais, d'accord, ça répond à la question où faut aller.
J'ai même pas fait exprès de tomber dedans. Décor. Salut. Bon, ils ont pas l'air d'être en forme. Hein. Ok, on va essayer par là. Je me retourne même pas. Salut. Un boomer, je crois. Ok, c'est bon. T'es mort. Ça va être compliqué d'avancer. Non, je veux reculer. Oh 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 oh. D'où t'es derrière moi, toi? Ok. De toute façon, ça marche en fait. Et allez. Ah, je brûle. Mais non, mec. Pourquoi t'es... Et si je me camoufle? C'est dégueulasse. Parfait. Ok, bon, c'est un petit peu de la triche, mais si je me fight avec tout le monde, demain j'y suis encore. Je suis dans le bâtiment et c'est ça que je veux. Non. Ok, très bien. Là c'est fermé, donc on va aller par là. Oh merde! Oh, non. Évidemment, j'avais oublié ça. Maintenant. J'avais oublié ce petit détail. On est toujours infecté et on n'a pas d'antisine. Je vais trouver. Je vais en trouver comme par magie, non? Non, pas du tout. Ah non, ça me nique juste mon endurance. Oula! Putain! J'ai cru que t'étais un mordeur! T'es obligé d'arriver sans faire de bruit? J'ai failli me choper une crise cardiaque. Dommage. Je voulais pas te faire peur. C'est toi, Michael? Ok, et Troy m'a dit que tu arrivais. Oh, je suis content qu'elle m'ait pas vu sursauter comme ça. Elle m'aurait plus jamais pris au sérieux. Elle te plaît, hein? À ton avis, tu l'as vu? C'est pour elle que je me suis porté volontaire. Tu te retrouves au milieu d'une horde de zombies cannibales pour impressionner une nana? Écoute, avant le virus, le truc le plus impressionnant que j'avais fait, c'était de gagner un concours d'orthographe, ok? Troy ne m'aurait jamais remarqué. Je fais ce que je peux. Je comprends. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Bon, j'ai essayé de terminer le travail. Mais je suis bloqué au 9e étage. Je m'en charge. Alors, il faut que tu prennes ces charges, que tu ouvres l'arrivée de gaz des fours, et que tu places les charges dans certains apparts. Et ça fera comme un dessin. Un truc qui paraîtra suspect à n'importe qui à l'extérieur d'Aran. S'ils arrivent à expliquer ça, je crois qu'on sera vraiment tous sur le cul. Maintenant, si t'es prêt, ta première étape est au 10e étage. Ok. Évidemment, il va falloir affronter tous les zombies. Écoute, j'ai pas le choix de toute façon. J'ai pas trop le choix, même si ça m'enchante pas plus que ça, à vrai dire. Le souci, c'est que si je prends une arme à feu, je vais faire du bruit, ça va les attirer. Bon, ok. Il va en courant. Ascenseur. Bonjour. J'imagine qu'il va pas aller jusqu'au 9e, ce serait trop beau. Ce serait trop beau qu'il... jusqu'au 10e, pardon. Ce serait trop beau qu'il ait jusqu'au 10e étage. S'il va jusqu'au 3e, déjà on a de la chance. 3e étage. Salut. Ok, 4e étage. Mais... Oh là, je suis surpris. Comme je suis surpris, bonjour, je peux t'aider? Oh, évidemment. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Ouais, pour l'instant. Bon, je peux avoir cet effet en moins, s'il vous plaît, c'est dégueulasse, ça pique les yeux. Ok, donc, faisons un petit dessin d'explosif. Non, c'est pas le bon. De l'autre côté. Oh oh, doucement. Et là.
Non, 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 non. Non, 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 non. Okay. Je peux monter au 10e là comme ça ou... Non, sérieux? Oh, 10e étage. Ouais. Oh, je vais faire gaffe parce que sinon je sens que je vais m'accrocher à cette saloperie. Non! J'ai glissé, chef. Oh là là. Ok, j'ai respawn direct au 10e étage, donc ça va. Sinon, je vous aurais fait une petite ellipse pour vous passer ça. Bon, de toute façon, il va falloir que je me fasse défoncer par des zombies, donc... Oui ? Je peux fermer la porte ? Ce serait rassurant de pas pouvoir me faire prendre par derrière. Michael, je suis au 10e étage. Super. Trouve les appartes 105, 106, 134 et 137. Alors, 105, 106, 134 et 137. Ouais. Easy. Est-ce que je ferais pas une exception avec ça? Mauvaise idée. Je le savais, hein. Mais je l'ai fait quand même. Nya. Nya. Ok. C'est pas le bon appart, évidemment. T'avais l'air gentil, hein. T'avais l'air gentil. Toujours pas le bon appart. Je sais qu'il va y avoir des boomers, ça c'est sûr. Toi. Ceci dit, j'en profite pour faire un tutoriel comment gâcher ses munitions. Wow. Meurs. Merci. Hop, on répare ça. Ok, première charge placée. Ok, c'est bon pour le premier appart. Bien joué. Passe au suivant. Hop, ça je veux. J'ai entendu un bruit de pas, donc j'imagine que... On a un qui m'attend. Ok, j'y vais en slow. Salut, comment je rentre dans cette porte? Comme ça? Pardon. Wow, wow, y a du monde ici. Oh non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Quoique, si je fais ça, c'est un peu bête. Si je fais ça, non. Toi. Moi, gentil. Moi, zombie, comme toi. Ok, deuxième charge placée. Je pense que je vais me servir de cette technique parce que c'est une technique de lâche et j'aime bien. Voilà, le deuxième appart est paré. Waouh, t'es carrément meilleur que moi. Maintenant, tu dois... Oh, merde. Michael, ça va? J'ai de la visite ici. Oh, lâchez-moi, enfoiré. Ok, il faut passer à l'étage. Reste pas là, mets-toi à l'abri. Non, je vais les retenir pendant que tu finis le boulot. Je partirai quand tout sera prêt. Bonjour. Oh, tu ressembles à Jade. Un peu. Allez. Ah, ça pique. Oh, 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 oh. Je reload un petit peu. Ok, j'ai une petite idée.
Ça va attirer du monde, mais... Je me dis que si c'est là... C'est exactement toi que je voulais éviter. Wouh, ok. Toujours vivant. Alors lui aussi. Ok. Ouais, ça fait le ménage. On a encore un, je l'ai vu. Mais lui, il est moins dangereux que les autres déjà. Je t'ai même pas touché, mais t'es tombé. Oh, ok. T'as plus de tête. T'es par terre. Aussi. Tu restes par terre. Pardon. C'est pas là, ok. C'est pas là. Mais c'est pas là pourtant. Je cherche l'appart. Fermé évidemment. Boum. 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 Ok. On est chaud. Hein. J'ai pas confiance là. Puis quand des zombies ça ouvre une porte. Attendez, je vais vous aider. Je peux pas vous aider. Désolé. C'est bizarre parce que il va peut-être falloir que je passe par le trou qu'il y avait juste là. Oh oh oh. Oh oh oh. Super. Non, temps de répit, mon arme est cassée, s'il te plaît. Hop, d'ailleurs, j'en profite rapidement parce que j'ai vu que j'avais de quoi faire ça. Voilà. Ok, et si je passe là? Je vais te faire péter la tête. Loupé. T'as pas l'air contente. Étrangement, t'as pas l'air contente. Ah, c'est pas la même sensibilité, mince. J'ai pas assez de sensi pour le coup. Bon. Ok, quitte. Merci. Par contre, le coup des boomers qui attendent derrière la porte. Oh, j'ai pas fait exprès. Je peux refermer la porte? Non. On peut pas ouvrir les portes qu'on a. Enfin, on peut pas refermer les portes qu'on a ouvertes, par contre. Ok. J'ai celui-là. Là, il y a une caisse. Ils ont ce don de mettre les musiques pas du tout rassurantes. Non. Hop, allez. C'est vrai que j'en ai pas chopé beaucoup des caisses dans cet épisode pour le moment. En même temps, vu ce qu'il y a dedans, pas louper grand chose. Et le prochain est en face, donc on va courir. Tout simplement. Un bébé. Bébé zombie, j'imagine. C'est un gamin qui pleure. Évidemment. Ah, ça attire du monde. Merde, c'est quoi ça? Évidemment. Pas mal de shuriken, on va en profiter. Oh non, mais il y en a combien derrière? Ok. Ah d'accord, même lui s'il meurt c'est pas grave en fait. Je vais mourir. Ok, ils étaient beaucoup trop nombreux. Vous êtes mourure, oui je sais. Mais ils étaient un petit peu trop nombreux là, je m'y attendais plus, je me souvenais plus. À cause de cette saloperie de bébé. Oh, me dis pas que je recommence. Ok, je sais pas si le bébé est neutralisé ou pas du coup. On va retourner voir ça. Je pense que oui. T'es où? Tu m'as fait peur. T'as pas le droit de me faire peur. Oh 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 oh. Ouais, il me faut une vraie arme par contre. Ok, c'est pas une vraie arme. Ok, bon. Je pense que là, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà.
Il reste une charge à placer. Pour me casser les genoux. Ok, place, merci. Et je vais essayer de me déguiser. Enfin, de me déguiser, de me foutre du. Ok, tout. C'est fini. Un morceau de zombie sur la tronche. Et tu pourrais redescendre ? Je dirais pas non à un coup de main maintenant. Vas-y, viens, 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 viens. Non. Écoute-moi. Aïe, je pêche d'enfoiré. Oh putain. Si je fais ça. Michael, ça va ? Écoute. Je devrais pouvoir sortir. Pas, tu dois prendre. Dégage. Prends le détonateur. Pars-toi d'ici et fais tout sauter. J'y travaille, tu. Dis pas n'importe quoi, Michael. Casse-toi d'ici et retourne voir Troy. Tout de suite. Laisse le détonateur où il est. Michael ? Michael ! Ok. Merde. Ah. Téléphone qui sonne. Non, t'es pas essoufflé, arrête. L'ascenseur est où ? Bah merde, où est l'ascenseur ? C'est la recherche de l'ascenseur, que j'ai dû passer devant évidemment. Ascenseur ici. Allez! Allez, monsieur Musclor. Allez, saute parce que j'ai pas envie de rester là. Étrangement, j'ai pas tellement envie. Ok, on redescend. Évidemment, on prend l'ascenseur parce qu'on est des gens plutôt soft. Il va retomber en panne avant, j'imagine. Oh, surprenant, je m'y attendais pas du tout. Ah! Ça, je m'y attendais moins. Merde. Alors, il est arrivé au premier. Je suis arrivé au combien? C'est combien le... Zéro. Bonjour. Non, non, mais c'est une erreur. Je vais prendre l'étage à côté. Ah, évidemment, je suis obligé de traverser tout. Ok, YOLO. Rien à foutre. Oui, c'est là. Dis-moi que c'est là. Non, c'est un appartement, ça. Je peux pas passer là. J'ai entendu un bruit. Mais qui devient parano, il entend du bruit, wesh. Si je me fie à la carte pour une fois. Ouais, si je me fie à la carte, ça peut être bien. Wow. C'est pas moi. C'est eux tout seuls, et t'as... Non, c'est pas... Non, tu dors, je te casse les genoux, tu dors. Pose-toi. Ok. J'espère que tout va bien, Michael. Ah, j'ai oublié le détonateur. Il est où ? Oh, 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 oh. Ok, ça c'est un marteau. Allez, je suis mort. Merci. Non, ici. Non, hop, je vais me camoufler. Hop, on va se camoufler, on va être un petit peu tranquille. Bon, je cherche ce qui ressemble à un détonateur. C'est un marteau. Oh, ils ont pas l'air contents. Non, bouge, je vise. Non. C'est pas moi, il va exploser. Restez pas là. Nope. C'est pas ça que je veux. Merci. Ok, si ça va à l'infini les gars, on est dans la merde. Faut pas chercher si y a... C'est bon ? J'ai pas réussi à tirer non plus.
Dégage. Et ça c'est pas très bien. En fait j'ai pas de pointeur du coup. C'était évident, il y avait la fumigène à côté, mais c'est pas grave. Hop, allez, salut, je me casse. Oh, c'est gentil d'avoir fait des flèches. Bon, ça s'est moins mal passé que ce que je pensais, donc ça va. Non, tu t'énerves pas par contre, Robert. Oh merde. Non, non, t'inquiète, je fais que passer. C'est... Bon, ça va. J'ai pas besoin de te remercier. Ah, d'accord, ok. Ok, très bien. Si je me foire, en fait, je tombe. On va pas se foirer, ça peut être pas mal. Ok. Ah, ça, un petit peu trop, je pense. Mais ça me paraît bien. Ok, bon, bah apparemment c'est bon. Ça fait déjà une demi-heure, donc ça a pété le bâtiment et s'arrêtait là. Et exactement, on va voir ce qu'ils ont préparé comme motif. Même si je m'en souviens. D'accord, on était dans ce bâtiment là. Boum. Oh, un smiley qui est tout triste. Ouais, on le voit, Crane. Super boulot. J'espère que ça suffira. Est-ce que t'as des nouvelles de Jade? Crane? Jade, c'est toi? Crane, j'ai entendu ce que tu as fait. Enfin, je vois ce que tu as fait. Alors, tu me crois maintenant, quand je te dis que je suis de votre côté? Ouais, mais ça suffira pas. Quel fils de pute! Bon, du coup, Crane, si t'es vraiment de notre côté, tu dois contacter le GRE. Ils doivent empêcher le ministère de bombarder la ville. Je suis pas sûr d'être super en sécurité. Je sais, mais j'ai perdu le seul moyen que j'avais de les contacter. Les gars, écoutez. Bon, on va pas les laisser raconter leur vie plus longtemps. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. C'était un petit retour tranquille où on fait péter des petits bâtiments. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.